Bon, plus de la moitié du travail au moment de ramasser les noix, c'est le tri. Ça, c'est la récolte que je viens de ramasser aujourd'hui. Alors, elle est particulièrement sale et pleine de débris en tout genre, parce que c'est un des derniers seaux que je vais ramasser. Donc, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Les autres, plutôt dans la récolte, on pouvait être très sélectif et prendre les belles noix et ratisser avant de ramasser les noix. Là, ça commence à être la fin. Donc quand je trie, j'ai les noix à trier et j'ai trois récipients. Donc celle-là est bonne parce que ici il n'y a pas de trou, elle n'est pas noire, elle a une belle allure. Donc c'est dans le seau des bonnes noix. Celle-là est pas belle, mais elle est probablement bonne. C'est juste que la broue a été attaquée par un insecte, donc elle a noirci. Mais c'est pas sûr, donc je la mets dans le récipient des noix à ouvrir pour savoir. Et celles-là sont pas commercialisables. Mais on peut en faire de l'huile de noix ou les manger soi-même facilement. Celle-là est bonne. Je vais essayer de vous en trouver une qui soit pas bonne. Voilà, celle-là est pas bonne. Il y a un trou ici. Et la trace noire là, c'est pas forcément un problème, mais dans ces cas-là, je les garde pour moi aussi. Mais le petit trou là, c'est sûr que c'est pas bon. Si on l'ouvre, il va rien rester, parce qu'en plus on sent qu'elle est plus légère. Des fois, c'est pas du tout aussi clair. Là, c'est un exemple de noix qui est probablement bonne. Elle est bien fermée, mais elle a des traces noires. Donc là, avec le peu de noir qu'il y a, j'hésite entre à trier ou bonne. Mais parfois le trou est pas visible, mais on voit une petite tache de sciure. Et dans ces cas-là, ça veut dire que le ver est rentré très récemment, quand il était très petit. Donc celle-là, je pense qu'elle est juste cassée. Elle a un trou, mais c'est pas fait par un ver, donc je la garde. Oui, des fois on voit une petite trace de sciure, ça veut dire que le ver est rentré récemment, qu'il n'est pas encore ressorti. Donc si on l'ouvre, on va trouver la noix, et on va la trouver qu'elle a commencé à se faire attaquer. Donc là, c'est selon vos préférences. Vous pourriez garder la moitié de la noix, la moitié du cerneau, ou alors juste le jeter parce que c'est trop de boulot. Avec tout ce que j'ai, moi je les jette. Ça profite aux poules après, ou aux oiseaux cet hiver. Voilà pour le tri. Voilà le séchoir que mon père a fabriqué pour moi. J'ai aidé un peu au montage, mais dans l'ensemble, c'est lui qui a fait tout le boulot. Il y a à peu près 12 mètres carrés de surface. Donc là, c'est l'ensemble de toutes les noix que j'ai ramassées à ce jour. Et c'est presque toutes les noix qui vont tomber parce qu'on a secoué les arbres ce week-end. Donc il n'y a plus grand chose qui peut tomber maintenant. J'ai ramassé ce soir un petit seau. Et ça fait un jour et demi qu'on n'avait pas ramassé. Donc oui. Si là il va tomber de moins en moins, en secouant on a provoqué la fin de la récolte. C'est bien parce que en ce moment il faut chaque ramassage il faut d'abord ratisser les feuilles pour trouver les noix. Donc c'était le facteur limitant. Avant c'était pas un problème de ramasser les noix tous les jours. Il suffisait de sortir, prendre le seau et l'outil et puis de les ramasser. Maintenant il faut ratisser puis ramasser.
Et chaque ratissage est presque aussi long que le ramassage. Donc voilà, il y aura encore quelques noix, mais largement pas de quoi remplir un plateau supplémentaire. Avant d'avoir ce séchoir, je les mettais sur des cagettes bleues comme ça. Alors j'en avais mis trop épaisses et je les avais pas assez ventilées. Donc quand je mettais 3 ou 4 couches, parce qu'il me manquait de la place, j'avais les noix du milieu qui commençaient à moisir. Ça va très très vite, il y a beaucoup beaucoup d'humidité. Elles perdent presque la moitié de leur poids en eau en un mois de séchage. L'an dernier, je m'étais débrouillé en les mettant au-dessus du poêle. À l'intérieur, c'était assez sale. Mais ça marchait aussi. Je les mettais dans des sacs d'un kilo. Donc superposés comme pour faire un mur au-dessus de la mezzanine au-dessus du poêle. Donc ça séchait très vite comme ça. J'ai pas eu de problème. Mais c'était pas un travail très, très propre. Voilà le séchoir. C'est une structure en bois avec des plateaux. Il y a un beau cadre, il y a des traverses et assez régulièrement espacées. Et dessous, il y a un grillage, une espèce de grillage à lapin. Donc là, en tout, c'est 1,50 m sur 80 cm. Il y a l'équivalent de 12 mètres carrés à peu près. La conception a pris, je crois, plusieurs jours. La découpe de toutes les pièces devait être assez longue aussi. Et à partir de là, une fois que ça a été ramené sur place, on l'a monté ici en une après-midi. Le plus long était de mettre le grillage proprement. Le toit est en tôle. Il déborde un peu à droite et à gauche, il déborde plus de ce côté-là que de l'autre parce qu'il y a le toit de la maison qui protège déjà ce côté-là. On a écarté le séchoir du mur pour que de l'air puisse passer. Dans le design, donc vous pouvez voir que la plupart des... En fait, toutes sauf une sont en grillage. Mais au début, la première qui a été faite avec des petites lattes. Donc, c'est une séparation de 2 cm, ce qui est largement suffisant pour les noix, parce que toutes les noix qui sont plus petites que ça sont de toute façon pas très intéressantes à garder. Généralement, on les ouvre et on trouve quasiment rien dedans. Donc, moi, je le ferai pas. Donc la raison pour laquelle on a arrêté les lattes, c'est juste que ça prenait énormément de lattes pour faire ça. Beaucoup de temps à clouer. Donc déjà le grillage, ça prend assez longtemps à mettre, mais les lattes, c'était pire. Alors il y a le plan de montage avec les symboles, donc il sera facile à démonter.